Inauguration de la Chambre provinciale de comptes de Port-Gentil. La cérémonie a été rehaussée par la présence de Rose-Christiane Osuka, la première ministre chef du gouvernement. Le compte-rendu avec Stevie Oyan-Mezui. Ce geste que vient d'effectuer le premier ministre chef du gouvernement marque l'inauguration officielle de la Chambre provinciale des comptes de Port-Gentil. La province se dote ainsi d'un instrument capital qui contribuerait à rendre efficace la mission assignée au juge financier. Le Premier ministre que je suis a été instruit par le chef de l'État à l'effet de procéder à l'inauguration de la Chambre provinciale des comptes de Port-Gentil. Donc il s'agit de la 7e Chambre provinciale des comptes. Il en reste encore deux. Le gouvernement, aux côtés justement du premier président de la Cour des comptes, va procéder également à la réalisation des autres chambres provinciales pour faire en sorte que toutes les capitales provinciales aient une chambre provinciale des comptes. Sept chambres provinciales sont désormais disponibles. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a dit que deux autres verront le jour. Il est question d'implanter un bâtiment dans chaque province pour donner une autonomie à la Cour des comptes du Gabon.